Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière j'avais fait une petite vidéo en clash d'équipe. Du coup, on va faire le deuxième épisode. Je vous avais expliqué la semaine dernière que j'allais essayer de finir, de jouer un petit peu tous les jours. Puisque la semaine dernière on avait joué que je crois 4-5 matchs. Du coup, cette semaine, comme vous pouvez le voir, pour l'instant je suis Elite 2. Je suis à 59 000 points dans la semaine. J'ai raté pas mal de matchs. J'ai dû en rater au moins 5, je pense. Et du coup, là, on est aux portes d'Elite 1. Donc, je pense que je vais être. Enfin, on va essayer de terminer Elite 1. Du coup, pour avoir 2 packs méga et plus de 39 000 crédits. Donc, ça peut être pas mal. Il me reste 2 matchs. Après, comme vous pouvez le voir, il va y avoir une mise à jour et on va pouvoir refaire 4 matchs, ça sera les 4 derniers matchs de la semaine. Si je peux, je vais éviter de jouer les 4, j'en jouerai 2 peut-être pour assurer mon Elite 1, je ne sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, là, il nous reste 2 matchs à jouer. On est parti directement, on joue au niveau difficulté légende. Je vous avais dit que j'allais essayer de jouer tous les matchs. Sincèrement, c'est très très compliqué de jouer tous les matchs. Je vous présente d'ailleurs ma nouvelle équipe, équipe Liga BBVA. Avec du Ter Stegen, Varane Umtiti, très très solide cette défense. Semedo à droite, Carole à gauche. Partey ensuite au milieu de terrain ici, avec Luka Modric, 89 de général. Il m'a coûté la peau du cul, il m'a coûté 92 000 crédits je crois. En plus on peut l'avoir pour un petit peu moins cher, mais c'est pas trop grave. Paulinho, Dembélé, Gamero et Ferreira Carrasco à gauche. Carrasco, je le trouve moyen. Si vous avez des joueurs à me proposer, n'hésitez pas dans les commentaires. Dembélé est juste sur-cheaté. Gamero est pas mauvais, c'est pareil, mais je pense qu'il y a mieux. Après, on ne va pas non plus se plaindre. Mais on est parti pour ce premier match. Non, c'est pas là que je voulais la mettre. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Oh, la perte de balle. Oh, la perte de balle. Eh oui, Dembélé, rate pas ça. 1-0, les gars. Par contre, Dembélé, ils auraient vraiment pu le modéliser, quoi. Ils l'ont vraiment pas respecté et ils lui ont mis une tête de bot. C'est n'importe quoi. Oh là là, Dembélé. Je cadre pas. Oh là là. Allez, Raphaël, bien joué. Varane, il est très très chaud en défense. Hein. Sincèrement, au début, en fait, quand j'ai commencé à faire cette équipe, je me suis dit, bon... Le gardien, la défense, pour moi je mise tout sur l'attaque. Donc si je dois mettre des crédits, je les mets sur des attaquants, sur des buteurs ou quoi que ce soit. Et sincèrement, quand j'ai vu le prix de Varane à plus de 50 000 crédits ou 50 000, je me suis dit, ça me fait chier de mettre autant. Après je me suis dit, bon, j'ai les crédits, on va tester, je verrai bien. Et sincèrement, moi qui ai une défense, bon, mon équipe d'avant c'était une équipe BPL avec Djik et Sanchez. Coup de passe très très cher, on va dire, ils sont largement abordables. Bah, je trouve sincèrement qu'on voit la différence avec avec des gros joueurs défensifs, quoi. Ah, la passe du bout du pied là. Normalement je dois la faire à Carrasco. La sortie. Et des fois le niveau légende c'est très très chaud. Hein. Sincèrement moi. J'ai déjà perdu, hein. J'ai déjà perdu en légende. Et sincèrement, le niveau, il est quand même bien chaud. Hein. Allez, voilà! On reprend l'avantage tout de suite. Bien joué, Gamero. Wow. C'est une blague. À chaque fois, je me prends des 3 tirs, 3 buts. C'est la difficulté légende, c'est cheaté, hein. Je vous assure, c'est n'importe quoi. Et déjà, Carrasco, qu'est-ce que tu fous là-haut, là? Hop, changer d'aile, là. C'est bon. Allez, Kevin, hein. Allez, Kevin. Ah, c'était pas Kevin. Encore une fois, mais voilà. Gamero, lui, rate pas ça, c'est sûr. Carrasco, il va jarter de l'équipe, c'est un truc de fou. Waouh, la vitesse. Bien joué, Mtiti. Bon là on se fait dominer hein. Là je vous cache pas qu'on se fait dominer. Je sors plus de mon camp, ça y est c'est parti. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends rien au jeu là. Pouh, Modric. Voilà, grosse frappe.
Foligno, dommage. Bien joué Kevin. Ah Gamero, bon je te la donne même pas, je te le dis en bas là, comment il s'appelle, Carrasco. Carrasco, je fais plus de passe, c'est bon. Fin du match, victoire 4-2. Je pense qu'on aurait pu éviter ces deux buts et gagner un petit peu plus de points, puisque bon, comme vous le savez, pour ceux qui jouent en clash d'équipe, plus si on est invincible, enfin invincible, pardon, si on a eu notre invincibilité, on n'a pas encaissé de but, on gagne plus de points. Bon là j'ai gagné 2228, c'est quand même pas mal. Du coup on n'est pas très très loin de Elite 1, on est toujours Elite 2. Faut faire 62 000 points. J'espère pouvoir les faire avec ce dernier match. Mais je pense que pour terminer Elite 1, je vais devoir faire les 4 prochains matchs dans 2 heures. Donc ce soir. Mais bon, c'est pas trop trop grave. Le but c'est vraiment de terminer Elite 1. Donc on va tenter de... Oh là là, ils sont fatigués. On va mettre une petite carte... une petite carte forme. Et on enchaîne direct avec ce dernier match. Je sais même pas contre qui on joue en fait. Du coup l'équipe... Ah oui, ah oui, il y a du boost. Il y a du boost. On tombe sur une équipe de Bundesliga. Avec pas moins de 5 cartes boost. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ça va être un match compliqué je pense. Surtout en légende. Surtout en légende. Il y a faux, hors-jeu. Joue Thomas, heureusement que ce joueur-là, il est puissant. Elle est à nous, hein. Elle est à nous, là. C'est quoi cette blague? Ouais, c'est compliqué, ça. C'est dangereux. Je serre les fesses. Je vous avoue que je serre les fesses, là. Par contre, j'ai toujours pas changé. Et ça fait au moins, mais minimum... Je sais pas, une dizaine de matchs que je me dis, bon, je vais changer les tireurs parce qu'en fait, Umtiti tire tout. Umtiti tire les... Merde. Umtiti tire les coups francs, les corners, les pénaltys, c'est le capitaine, il fait tout, quoi. La montée. Kevin, talonnade. Oh, ça combine bien, mais on n'arrive pas à planter ce petit but-là. Oh, Thomas. Ouh, le couteau. Oh, il est pas facile à mettre. Sincèrement cette année, bon après je pense que vous êtes tous au courant, mais les frappes croisées c'est... Là, jamais de la vie je dois marquer ce but là. Pourquoi? Parce que je suis totalement... Regardez où je tire. Je suis excentré tout en haut de la surface, j'arrive à mettre une frappe croisée, enfin... Ça doit jamais rentrer, mais bon. Tant mieux pour moi, ça rentre, 1-0. Oh là là, il nous a tous mis dans le vent. Oh bien joué Carrasco. Oh pour une fois qu'il me fait un truc stylé. Ah oh. Boum! Gagne ton duel! Ah, oh, Dembélé! Bien joué, les gars! On récupère. Oh! Oh, elle est belle! Allez, Gamero! Oh là 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 là! On n'a pas de chance! Pas de chance! T'es pas loin de mettre le deuxième but! Bon, petite victoire, les escrocs, pour ce dernier match! C'est vraiment, vraiment une petite victoire, mais c'est une victoire importante! Pourquoi? Pour tout simplement espérer finir en Elite 1. Du coup, voilà, on est qualifié. Enfin, on est qualifié. On passe Elite 1. Ça va pas être facile de le rester. Je pense que je vais être dans l'obligation ce soir de jouer mes 4 derniers matchs. Mais bon, comme vous pouvez le voir, les escrocs, pour l'instant, on est bien en Elite 1. Avec 63 282 points, il faut faire 62 600, donc pour l'instant on est bon, on tient en Elite 1, c'est parfait, on va pouvoir peut-être avoir 2 packs méga ainsi que 39 000 et quelques crédits. Je ferai une vidéo pour ouvrir ces 2 packs là, je vais avoir aussi d'autres packs puisque je joue en ce moment Fut Champ. Je pense pas que je vais avoir le temps de terminer les 40 matchs de Fut Champion, mais je vais faire le maximum pour aller le plus haut possible. Et du coup, les escrocs, je ferai une petite vidéo pour ouvrir tout ça. Je sais que ce genre de vidéo plaît pas à tout le monde, clash d'équipe, parce qu'en fait, j'ai discuté. D'ailleurs, j'ai discuté avec certains d'entre vous sur Twitter ce week-end, et il y en a certains qui me disent « Ouais, Flo, ça sert à rien de faire des clash d'équipe, c'est complètement nul de jouer contre l'ordinateur et tout ». Sincèrement, je trouve que c'est plutôt pas mal et je suis vraiment content que EA ait fait ce mode de jeu parce que je trouve que le mode Fut Champ, qu'est-ce que je raconte? Le mode clash d'équipe a rien à voir avec le niveau de l'ordinateur en carrière. Il est vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et pour ceux qui disent « Ouais, c'est vraiment facile de jouer
en clash d'équipe. Je vous invite vraiment à faire un au match, voire même plusieurs matchs en ultime. Et pour voir le niveau de l'ordinateur est juste abusé. Et du coup, je trouve que c'est vraiment, voilà. Hein. En plus, c'est vraiment. En fait, on s'y attend pas. L'ordinateur arrive à te sortir des dribbles, des passes venues d'ailleurs. Et je trouve que c'est vraiment différent que l'ordinateur de base. Donc, c'est un mode assez intéressant, en tout cas pour ma part. Après, je comprends parfaitement ceux qui pensent que, voilà, le mode Ultimate Team, c'est vraiment pour jouer que online. C'est vrai que je joue beaucoup online aussi en Ultimate Team. Là, je joue Fut Champ. Je fais le mode saison aussi, mais. Vraiment, le mode clash d'équipe, je trouve vraiment que c'est un mode assez intéressant. Déjà pour se faire des crédits, et en plus de ça pour jouer contre l'ordinateur. Donc voilà, après dites-moi ce que vous en pensez de ce mode-là dans l'espace commentaire. Et puis voilà, pas d'insultes, on respecte les personnes, les escrocs, et la vie de chacun. Donc voilà, prenez soin de vous les escrocs, on se retrouve du coup bientôt pour l'ouverture de pack, que ce soit les récompenses Futchamp ou les récompenses clash d'équipe. Ça sera intéressant, j'espère toucher du lourd et avoir un maximum de crédits. Donc voilà les escrocs, prenez soin de vous, c'était Flo Nox aux manettes.